Kabongo, les moko. C'est bon. J'arrive. Je vais parler à mon retour là-bas. La canne à sucre, on a aucun dégât. Kano. Oui. Ah, comment ça va? Ça va un peu. Ah, vous êtes là bien. Hein? Ici, vraiment, le vent est correct. Ils sont qui n'ont comme vraiment chez les blancs. Ils tout est ici. Bien. Quand je vois les palmiers sont bien arrangés au nord, on dirait tout est planté au nord. On ne comprend plus. Comment vous avez eu cette idée de faire ces choses comme ça là vraiment? On ne comprend plus. Expliquez un peu. Cette idée, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé. Ouais. J'ai été un peu partout, mm-hmm. En Allemagne, wow. En Bulgarie, oui. Et puis à Moscou surtout, Moscou, depuis de Lénine à l'époque. Ah ouais. Donc l'expérience là, j'ai vu ça quelque part. Parce qu'il ne faut pas mélanger les arbres, il faut mélanger, créer les arbres confondus, mais il faut que ça soit bien aligné et mettre ça en ordre. Ce que j'ai fait, parce qu'il y a l'ordre, vraiment. Et c'est l'expérience des autres. Quand on voyage, c'est pas pour aller danser dans les boîtes de nuit, c'est pas pour manger les jambons, c'est pas pour manger ce que les autres ont cultivé. Il faut profiter de ce voyage pour tirer les profits, parce que le voyage instruit l'homme. Et vous amenez ça dans votre pays, comme en Chine par exemple. Quand on voyage, il ne faut pas se promener, c'est pour aller danser et payer les habits, payer les vestes. Non, il faut tirer, copier chez les autres, tricher et amener ça au pays. Et c'est pour cela que ce verger, et que j'ai les ambitions, à ma qualité de président fondateur de l'association Akolongantu pour le développement agro-pastoral, j'ai les ambitions d'avoir 20 000 pieds, des arbres confondus, parce qu'il nous faut un grand verger des hectares sur des hectares. Quant au personnel, nous avons besoin, et avoir, pourquoi pas avoir 100 travailleurs, parce que les jeunes souffrent, et qui seront progressivement, pas du coup, on va les recruter chaque année, par exemple 20-20-20, à ce que nous pouvons arriver à atteindre 100 jeunes. Et puis on va leur construire un petit village centre pour au moins de 20 maisons. Vraiment. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je vois que vous avez une bonne idée. Oui. C'est-à-dire de tout ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire, vraiment, vous avez une bonne idée pour. C'est-à-dire, si vous aviez l'argent, vous pouvez aussi aider un peuple congolais. Oui. Je vois ça. Oui. Maintenant, je vois, il y a quelques gens ici, quelques personnages ici. Comment avec ces. Ce plan que vous faites là, est-ce que vous êtes capable de le payer? Comment vous faites ça? Cela veut dire si vous êtes capable de le payer, ça dit le plan vous rapporte un peu quelque chose. Voilà pourquoi ça rapporte beaucoup. Et nous plantons par étapes. Il y a la première étape que je disais, que il y a ce qu'on appelle culture à court terme. À court terme, c'est les cultures de 3 mois, comme je le disais tout à l'heure. Les arachides, par exemple, si vous avez planté 5 hectares d'arachide, les patates douces que nous allons voir tout à l'heure, et les aubergines, légumes, tout ça, ça nous permet de payer le personnel. Mais lorsque nous vendons, après la vente, il y a une partie d'argent qu'il faut épargner. Parce qu'il y a les imprévus, que le travailleur peut tomber malade par exemple. Oui. Ou bien sa famille tombe malade, mais vous êtes obligé d'aller en banque et retirer un peu d'argent. Et puis nous faisons aussi à la fin de l'année, le 13e mois, et qui nous permet d'encourager les travailleurs. C'est ce qu'on appelle la matière économique, l'émulation socialiste que nous faisons.
c'est pour encourager les travailleurs à mieux faire, à mieux travailler. Le 13e mois, nous l'avons instauré parce que nous sommes le privé. C'est le privé qui développe l'État. Mmh. Nous l'avons instauré parce que il faut encourager le travail dans ce sens-là, pour qu'il y ait l'endurance, pour qu'il y ait, il doit travailler avec amour, avec la volonté. Parce que nous sommes sévères pour le travail. Si celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit à son salaire. Chez nous, on abandonne un peu le travail. Lorsque vous ne faites pas là, nous mettons un zéro. On contrôle. Ils sont payés le premier de chaque mois. Ils sont payés le premier de chaque mois. Bon, maintenant, si un travailleur a des difficultés, on donne ce qu'on appelle la quinzaine. Quinzaine, donc, on lui donne une avance le 15. Bon, mais s'il y a des imprévus qui arrivent, on lui donne de l'argent. À la fin du mois, il faut retirer. Il faut retirer. S'il est malade, là, on peut payer les ordonnances et sa famille, par exemple, justement. Et c'est ça. Et le bénéfice. Ça veut que le bénéfice que nous payons, les travailleurs et le capital constant reste toujours variable pour nous permettre de recruter. Nous recrutons aussi des fois les temporaires et les journaliers. Parce que nous devons aussi les arrières, les arrières aux travailleurs, parce qu'on avait connu une situation grave et pendant la guerre du 5 juin, si bien que ça a connu aussi un retard à d'autres travailleurs, ce qui nous a retardés. Mais du moins, il y a l'espoir. Et l'espoir parce que les arbres poussent très bien, les fruits poussent très bien. Et nous vendons aussi à l'étranger pour avoir les devises. On ne vend pas seulement ici. C'est qu'en Europe, lorsque vous vendez les avocats, lorsque vous vendez les bananes, bon, nous avons un projet de réaliser le jus de fruits sur la base de babadine, sur la base de fruits, sur la base des ananas. Et nous avons ce projet-là. C'est comme tout sera lié avec le projet pomade à Kono, lait à Kono, lait de beauté bien sûr. Et puis il y aura les pommades aussi de beauté, ça va apparaître. Mon ami de quoi? À 17 à 3.